Hello tout le monde! Eh ouais, alors là, on a du gros, on a du lourd. Ouais, alors je sais pas, on va voir si ça arrive à tout cadrer. Je vais après peut-être couper. Mais on va ouvrir cette énorme figue. De toute façon, vous savez ce que c'est marqué sur le titre. Et alors, voilà, je vais ouvrir ça avec vous. C'est gros, hein? C'est gros, c'est bien scotché comme d'hab. Les connaisseurs reconnaîtront le scotch ou la figurine. Oula, massacre. Alors je sais pas pour le cadre, hein, si vous me voyez tout, mais je commence à l'ouvrir comme ça parce que elle est grande. Si ça va directement sur la table, ça va être gros. Trop gros. Je vais déjà sortir et puis on garde. Hop. Hop. On va arrêter de la couche parce que c'est énorme quoi. C'est juste énorme. C'est lourd. Lourd. Très lourd. C'est comme ça. Pas tout pété. Dans le sens. Ah bah bien, je l'ai bien ouvert. Je vais faire comme ça. Attends, je vais pas ça. Je vais virer ça. Je fais comme ça. Comme ça. Hop là. Mon Dieu, le bordel. Bon, c'est cool. Bon. C'est très gros. Et ouais, c'est la Tricky P1. La Tricky P1. Une grosse bête. Et voilà. Je vais la mettre là. Ça, c'est de la fumée. C'est du carton plutôt. Je vais remettre la caméra comme il faut. Pour qu'on puisse. Alors, on va commencer par ouvrir là. Là. Oula. Le plan de montage. Le plan de montage, eh ben c'est Lego. Hein. Oula, il y en a pour du boulot. Hein. Bon, un peu de pub pour la Ken. La Ken et le catalogue. Ah bah 2021. Bah cool. Ah c'est un calendrier. Ça c'est un calendrier. Alors vous savez quoi, je ferai une petite vidéo. Je ferai une petite vidéo puis je vous montrerai les trucs. Excellent. Bon ben, top. Le plan, pas que le pauvre. Alors, ouvrons le monstre. Bon. Alors, arrête de le mettre partout. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Ça a l'air chaud. Chaud, mon truc. Ouais, je vais la remettre par terre. Et puis je sais pas. Pas comment on fait. Mais le truc. Là, je sais pas si vous voyez. Là, c'est du lourd. Hein. Je sais pas si seul, c'est très très intelligent, mais. Comme avant. C'est une bonne idée, mais on verra bien. On verra.
Là, on est le carton, les cartons. Alors, où c'est le haut? Top, c'est là. Top, c'est là. On va la remonter. C'est bon, elle est en plomb. En résine. Bon, bah, commençons. Commençons. Oh là là la bête. Oh. C'est bon. C'est bon, je casse tout. Maître. Donc énorme. Je ne sais pas si vous voyez là. C'est énorme. Putain, le truc. Ah ouais, d'accord. Il y a 1 million de pièces. Elle va durer. Elle va durer 5 heures la vidéo à mon avis. Vous voyez. Non, mais vous voyez pas. Mais, truc. C'est énorme. Ça a l'air joli. Hein. Ça a l'air joli. Ouais. Je vais la mettre. Je crois que je vais sortir les pièces. Incroyable. Ouais, elle est belle. Hein. Franchement, c'est bon. Ouais, magnifique. Ah, puis les têtes. Alors, voilà les têtes. Alors, on a 4 têtes là. 4 têtes. Ouais, c'est la version 8 que j'ai prise. Hein. 4 têtes. Déjà les deux là. Je crois pas que c'est les têtes à Nîmes, ça. On a têtes à Nîmes. Ça c'est. Bah sans le. Pas mal sans le casque aussi. Bon, à part ça, le sculpte est bien fait. Hein. On aime ou qu'on aime pas si c'est. Oui, ça ressemble à la série Netflix. Non, quand même pas, faut pas déconner. Alors là, on a la tête anime et la tête, comme ils disent, plus réaliste, mais bon, réaliste, ça reste du manga. Hein. Ouais, elle est cool. Je mets celle-là. Celle-là où il est énervé, elle est pas mal aussi. Ouais, bon, il est énervé. Il est énervé. Énervé, quoi. On verra laquelle je mets. Voilà. Les plumes. 10 km. Je s'oublie pas, les plumes. Phoenix. Ça c'est pas toutes les plumes, ok. Toutes les plumes. Il y a 3 plumes, il y en a 3, ouais, c'est juste 3 plumes. Les flammes. Alors les flammes, il y en a des flammes. Hein. Il y en a un paquet des flammes. Elles sont aimantées, ouais, cool. Je mets là-dessous en attendant.
Parce que franchement, c'est un Lego le truc. C'est un Lego. Un bras. Bon, le peigne de la peau est incroyable, hein, franchement. C'est bien foutu, quoi. Et l'armure, l'usure de l'armure, là, franchement, j'aime bien. Les impacts, dans les impacts de coups. Franchement, c'est pas lisse, c'est cool, j'aime bien. Les épaulettes. Épaulettes, là aussi avec des impacts. Attention. Ça, qu'est-ce que c'est? Le sol. Vas-y, comme ça. C'est quoi le truc? Bon, tout bloqué. Des flammes. Des flammes. Un autre bras. Le bras gauche. Voilà. Le plastron, tu vas là, et ta gemelle, ça c'est sur les jambes, non? Ouais, c'est le haut des jambes, ça. Une armure du haut des jambes. Ah, il y a plusieurs bras. Ah, ok, ouais. Un autre bras avec une flamme qui est collée dessus. Bah, je verrai dans quel. Ah oui, il y a un peu le point fermé, les deux bois où il marche en un. Bon, ok. Bon, on verra ce qu'on met. Hop. Voilà, encore des flammes. Là, on met là. S'amuser, hein. Les mains, point fermé, point ouvert. Les flammes. Les deux points, ça, ils sont fermés. Il y a les deux points. Les mains. Ouverte. Je vais voir lesquelles je le mettrai. Bon, je change les deux points fermés, hein, comme ça. On a deux à mettre. On verra. Perso, j'aime pas quand il y a trop de trucs, parce qu'on peut exposer que un truc, un pont flammé, sur la gueule, à mon avis. Je vais mettre ça. J'aime bien les timbres, c'est joli, c'est super. Ça de la gueule. Alors, ça. Faut que je coupe. J'ai une coupe là-bas. Je crois tout faire tomber. Là, il marque un truc. Attention, c'est marqué en japonais. Ah, quand j'enfile les ailes du phénix. Encore une autre histoire, ça. On verra bien. On verra bien. Il y a les mollo. On va pas casser tout de suite. Bon, pour l'instant, j'ai pas de casse à voir. Hein. C'est cool. Bon, c'est bien emballé. Hein. Franchement, à place. C'est la classe. Alors ça. Et ça, est-ce que je peux le sortir? Mais ça, c'est quoi? Mais ça, c'est quoi? Mais ça, c'est le socle, en fait. Mais... Oula, mollo. Toutes les têtes, là, pas que ce truc là. Ah ouais, c'est le socle qui sort, je me disais bien. Bon, mollo, pas que les têtes, c'est bon, répétez. Mais le socle est énorme. Alors, c'est que des flammes. C'est. Je pense que vous voyez, c'est que le phénix dedans, mais il est juste monstrueux. Et ça, c'est le socle. Ouais, bah, c'est gros, hein. Wow, bah c'est ça qui pèse lourd, c'est ça. Ah ouais. Là, bon, je vais poser ça par terre et je vais sortir, comme ça je vous montre. Ça pèse 3 tonnes. 3 tonnes le truc. Je vais prendre. Voilà. Va le péter.
C'est monstrueux. Je vais mettre là-dessus. Peut-être c'est mieux. Hein. Je me fais peur tout seul là, hein, mais bon. Ouh, je transpire. C'est énorme. Comme ça, ça donne la gueule. Tu dis, ouais, cool. Un grill, là, tu fais. Un barbecue. Bon, on va prendre le mode d'emploi. Hein. Okay. Oui, j'ai un. Ils veulent qu'on plante direct les... Ah, ils veulent qu'on mette direct le perso avec les trois plumes derrière. Ok. Ok, ok. Ok. Faisons ça. Et par contre. Oups là. Les trois plumes. Comment tu veux les mettre, les trois plumes? Il n'y a pas un dessin sur la face, sur la boîte. Attends, peut-être qu'il y a. Ah, parce qu'il y a des trucs différents. Ouais, il y a différents. Carré, chaque plume à sa place en fait. Gauche, droite. Ah. C'est pas aimanté ça? Ok. En fait, tu veux pas te tromper, il y a un sens. Est-ce que c'est celui-là? Comme ça? Non, je crois pas comme ça. Hein. Non, comme ça, c'est pas très beau. Ça se croise. Bon. Il se passe au plan là. Tac, tac, tac. Non, il disparaît. On peut se tirer vers la droite un peu comme ça. Ah! Ok. Deux. Bah celui-là il va là quoi. Ah alors comme ça. Comme ça. Comme ça. Ouais. Bien. J'aime pas qu'il faut forcer comme ça. C'est possible comme ça, mais. Ouais, c'est possible. Mais il veut pas. J'ai peur de péter. Bon, il est dedans. Ça tient, je pense pas plus. Attends, ah ouais, je suis con. Comme ça. Là, un trou. Bien sûr, ça rentre pas comme d'hab, ces trucs. Je fais des coups. Ah ouais, c'est bon. Et maintenant, il y a des piles à mettre. Parce que là, si je dois le lever après, le truc. Où tu mets les piles. Ah, il faut le brancher. Il y a des batteries. Ok, alors ça, c'est cool. Bon, c'est cool. Moi, les trucs de lumière, je suis pas super fan. Ça, de toute façon, avec le temps, ça pète. Ça... Mais, il y a un... On peut brancher un USB... Ok, c'est une batterie, hein, à mon avis. Ok. LED on-off switch. Ah ouais, faut brancher, ils le disent. Et il file... Ah, mais il file avec. Ah, ouais, il file le câble USB. Ouais, c'est un nouveau USB, là. USB-C. File avec. Bah, cool. On testera ça. Et puis après. Bon, bah, voilà. Hop. Maintenant. Mais le pire, c'est que c'est pas numéroté sur les flammes. Truc, c'est pas numéroté quoi. Comment tu sais quoi? Comment ça a l'air ça? Bon, attends. À mon avis, ça va être long. Moi, j'ai vu sur le net les gens disaient que c'était galère. Je confirme, c'est galère. C'est quoi le truc là?
Ok. Je sais pas où ça va, ça. Vers le pied. Ah! Peut-être là-bas au fond. Ah, là-bas. Et je suis désolé, hein, pour le. C'est ça ou pas? Non, ça n'a pas l'air. Là, ça colle, mais non, c'est moche. Il n'y a pas un autre. Comme ça? Ah! Pas du tout. Pas du tout, du tout. Je laisse comme ça l'attendant. Alors bien. Notre flamme. Petite flamme. Peut-être là. Non. Non. Non plus. Non plus. Non plus. Non plus. Un peu petite, tu sais pas où, comment craquer sur les flammes, hein. Il y en a partout, il n'y a pas dans le trou, les gars. C'est quoi ce truc là? Non, mais il y a un monstre bloc là. J'ai connerie, une batterie là. Des deux côtés. Alors ça veut dire que les batteries sont dans les ailes. Ok. Attends, je suis. Pas. Ah non, c'est un contact. Pour les ailes, en fait, ok. Oh là là. Bon, il y a un aimant dessous. Ils disent de mettre déjà maintenant les ailes, ou il y a pas de trucs à mettre là. Bon, il y a plein de petits chenilles à mettre, mais. Ah, tu ailes là. Pas mal. Celui-là. Ah bah voilà. On va être ça. Ok. On est bon. Bon, pas toutes les ailes. En fait, c'est. Il y a plein de câblages dans les. De LED dans les ailes. Ok, c'est monté quand même. Mais c'est juste. Ça où? Mon truc, je vais le mettre. Ça rentre même pas dans une. Ça rentre pas dans une Ikea comme ça. Hein. Ah non, je crois pas que ça rentre. Les mecs, ils ont craqué. Hein. T'as des beaux. Au moins la Phoenix, elle a de la gueule. Hein. Les mecs, ils ont craqué. Alors, attends, il y a. Celui-là, il va pas là, alors. Peut-être c'est ça. Non, pas ça. Carré, ça c'est carré. Ouais, c'est carré aussi, ça.
Parce qu'il y en a encore. Et ouais. Et ouais. Par contre, toutes les flammes sont aimantées. Hein, toutes. Il n'y a pas une flamme qui n'est pas aimantée. Elles sont toutes aimantées au bout. Là, il y a un gros. Il n'y en a plus. Attends, mais il y en a un qui va encore sur le corps, ok. La triple là. La triple, elle va derrière Phoenix. Attends. Je te tourne. La triple, bah, vous voyez là, ah ouais, ok. La triple, là, je crois. Ouais, nickel, ah ouais, superbe. C'est la crête du phénix. Alors, il y en a qui vont sous le phénix encore, il y a plein de petits trous. Il y avait les pierres là, qui c'est super bien fait, hein, les pierres qui volent là. Ouais, je suis bluffé, quoi. Hein. C'est massif quoi, je voyais pas ça aussi gros. Je voyais pas ça aussi gros. Tu vas te soumettre à côté. On va les mettre à côté après pour pareil. Par contre. Il y en a un assez gros là qui va là. Non, ah c'est pas celui-là. Là. Ça s'avère. Mais c'est quoi ces énormes. Il y a plus rien à mettre. Je comprends pas. Ah attends. C'est que j'ai sorti avant. Bah ouais. Cool. Ok, d'accord. C'est ça, je me disais. Ok. Voilà. Là, il y a un gros carré. Ça, ça a l'air gros. Voilà. Attends. Non. Non plus. Non plus, non plus. Non, c'était juste. Comme ça. Ouais, ça a l'air bien maintenant. Ouais, ça va pas mal. Quoi? Ah, mais ça se voit pas terrible. Là, ça n'a pas l'air d'être comme ça. Il est comment sur le dessin? Il est comment sur le dessin? Ouais, c'est juste. Plus à l'extérieur. Ah, comme ça. Non. Ah, comme ça. Voilà. Ok. Bouge un peu ce truc. Un peu pas. Ok. Ok. Ah là, il montre comment elle est toute entière. En flamme. Bah maintenant. Franchement, je sais pas où mettre les trucs. Hein. Dans les flammes. Mais où? Je vois pas. Et mais. Je vois pas.
que je vais faire. Oh, je vais déjà mettre le reste. Je trouverai les flammes après. On va déjà mettre les bras et les jambes. Comme ça, il est cool. Ah, parce qu'il y a des flammes qui vont aussi sur le... Ok. Alors là, il est déjà mis. Les bas jambières. Et là, il faut les monter. Ok. Là, ils ont bien fait parce que, à mon avis, ça pouvait péter. Parce qu'il sort... Il y a un gros espace derrière. C'était bien pensé, les gars. Alors... Le plastron. Ah ouais, ça le fait là. Peut-être j'aurais dû mettre les autres. Ah. Ou pas. Attends. Non, ça va. Une. Épaulette. Deuxième. Je vais quand même. Pas que ça se casse la gueule. Je suis de mon côté là. C'est pas bien. Ah voilà, non. De mon côté. Attends. Comme ça. Comme ça. Je dis, mais non, ouais. Ah mais là aussi il y a des flammes en fait qui vont. D'accord. Quelle tête on met? Allez là. Mais oui, mais prix. Ça c'est celle de. Ça c'est celle du manga. Comme ça, elle est cool. Ah, elle est cool celle-là. Faut qu'il s'énerve un peu. Ah, bah, ça, c'est dément, hein. Les gars. Cool. Ah, bah, pas tomber celle-là. Où ça? Il est pas mal aussi où il tire un peu, il est fâché. Non, non, j'hésite maintenant. Bon, son casque, non. Non, je vais pas en mettre son casque. Là, de sommet. Ah, celle-là elle est cool. Vous l'énervez un peu. Bon écoute, c'est mettre celle-là. Puis c'est celle-là. C'est ça quand il y a trop de têtes, c'est le mal à quel la peut mettre. Qu'est-ce que je fais là? Non. Ok. Pas mal ça. C'est pas mal ou pas? Ou de point. Après, il y a l'autre bras aussi. Non, mais les deux au point en bas, je préfère en fait. Attends, on va essayer. Bon, attends, on va déjà mettre celle-là là. Là, je vais mettre le point où il est fermé, là où il s'énerve un coup. C'est celle-là, non? De ce côté-là. Ouais, elle est cool, ça, avec le point comme ça, en feu. Ouais, j'aime bien. Ah, il est pas mal aussi comme ça. J'ai tout mis là. Ouais, il y a deux points. Comme ça, elle est pas mal. Énervé. La main en avant. Puis si je mets l'autre point, c'est celui-là. Aïe, mais il n'en veut plus là. Et si je mets l'autre bras, on va en mettre l'autre bras. Voilà. Attends. Tout cassé, voilà. Oh. Les aimants ils sont costauds. Hein. Heureusement, c'est cool.
puis c'est la main que c'est celle-là. Hein. Ah non, le point. Point, je suis fâché, là je vais t'en mettre une. Passe-moi pas les pieds. Ouais, bien aussi ça. Ah, c'est bien mis. Comme ça. Ouais, franchement, c'est juste. Ça a de la gueule. Il y a encore une main là? Il y a combien de mains? 42 mains. Ah ouais, ok. Il faut mettre la main ouverte aussi ce côté. Ouais, mais non. Non, 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 c'est bon. Main ouverte. Voilà, je ne sais plus où elle va. On gardera après le plan. Hop, on va finir avec ça. Ou alors je coupe. Je coupe et puis. Non, je coupe pas, je referai une transition. Je vais essayer de trouver parce que là, ça va être long. Hein. Franchement, je vois pas où je dois mettre les trucs. Hein. Je vois qu'il y a un truc là, mais. Je vais mieux regarder. Alors bon, bah, dans une seconde. Quoi. Ouais, alors voilà. J'ai réussi à tout monter. En fait, il y avait plein de flammes à mettre derrière, là, ici. Tout. J'avais même pas remarqué qu'il y avait des trous derrière, là. J'avais mieux regardé le plan. En fait, il fallait être concentré. J'étais pas assez concentré. Voilà. Il y avait une flamme sur cette main que j'ai pas mis. Alors, ça veut dire qu'il m'en restait une en plus. Autrement, voilà, c'était là. Ça, c'est tout le monté. Ça, ça, ça. Voilà. Il y a une âme beaucoup, quoi. Mais le plan, ouais, c'était. Il faut. Voilà. C'était heureusement qu'il y a un plan, parce qu'autrement, il fallait un jour pour tout monter. Mais voilà. Elle est montée. Franchement, elle est. Moi, je la trouve incroyable. Je la trouve incroyable. Mais elle est imposante, quoi. Elle est énorme. Même pas dosée dans un truc Ikea. Heureusement que j'ai des étages à rabot au fond qui sont. Qui sont. Bah, qui a rien autour quoi, elle sera pas sous verre quoi. Mais le phénix il est énorme, je voyais pas aussi gros, en fait je la voyais pas aussi grosse. Là, je vais mettre la soumise à côté là, ça fait tricky qui hein. Non c'est un monstre, je trouve que c'est un monstre. Les 4 comme ça à côté, les 5 pardon, faut un château hein, les gars, il faut un château. Parce que si les dragons ils partent de tous les côtés, bon ça va, à part ça, ça va être une claque. Là. Mais c'est beau, hein. Franchement, wow, je trouve incroyable. Et bah, je vais l'allumer, qui est branché là. Je l'ai branché sur la PS5. Voilà. Faut pas être. Ça flash. Voilà la bête. Ça la gueule. Bon, après ça, laisser allumer comme ça. Ouais, faut pas être épileptique. Chercher le mot, je vais pas trouver. Faut pas être épileptique parce que là, vraiment, ça flash. Hein. Et il y a que ça. Il n'y a pas d'autre mode, sauf erreur. Il n'y a qu'un bouton derrière. En fait, il n'y a pas de batterie. Hein, il faut la brancher. Si je débranche là, bah, il n'y a plus rien. Il n'y a pas de. Super, je vois plus rien. Voilà. Ouais, il n'y a pas de batterie. C'est des courants directs. C'est pas plus mal, hein, parce que les batteries, ça coule. Voilà, je suis mon fan. Voilà, je vais rallumer. Mais ouais, ça. Franchement, ça. Ça a de la gueule. Hein. Moi, je suis fan, perso. Moi, je suis. Bah, c'est mon perso préféré. Dans Saint Seiya, alors c'est pour ça que je l'ai prise. Et puis, ok, pas de l'anime, c'est Ikki. Hein. La gueule, elle est fâchée, énervée. Bon, je la trouve incroyable, perso, je la trouve incroyable. Je vais mettre Tsumi à côté. Donc. C'est un monstre.
Ah, ça va être aussi sport. Moi je suis fan de la tsoumé, hein. J'ai toujours adoré cette la tsoumé. J'avais les deux, j'ai revendu une, j'ai revendu la Kuramada parce que voilà, besoin de place. Un peu de poussière je crois. On va la mettre de près. On va les regarder de près. Les deux. Bon, on voit le visage là. Bon, c'est la première scène Senseiya de Tsume. Bon, elle est magnifique. Moi, je suis fan. Le paint est magnifique. Franchement, elle est cool. Après, tu vas à côté, là, puis tu... Ah, le socle est cool, hein, le socle P1 aussi. Un peu plus... on dirait un peu plus rustique. Différence, là on voit que c'est lisse et là on voit que l'armure elle est plus usée, des impacts dessus, là on voit bien là, les impacts, c'est un autre style, hein. Aussi la texture des habits, là c'est lisse, ben, on voit, ouais, là c'est lisse et là tout ce qui est ceinture c'est fade, plus fade, là c'est plus brillant. Et puis on voit la texture des vêtements, ça fait plus réaliste, on dira. Plus réaliste. Là on voit les... Mais c'est du beau boulot, hein, regardez les impacts sur l'armure. Et le visage que les gens aiment pas. Franchement... ok, ça ressemble pas au Wiki, mais... Après, celle-là, là... Moi j'aime bien son regard, hein. Il regarde un peu... Mais je sais pas, la bouche est quand même un peu... Ah, maintenant je vois la bouche. Mais elle est belle, hein, la Tsume. Elle est magnifique aussi. Les cheveux, ça reste beau. Oui, la poussière. Là aussi, et si je mets la tête anime... Je crois que c'est ça la tête anime. Hein. Je crois que c'est celle-ci. Avec les yeux plus gros. Hein. Allez. Bon là, c'est pas comparable, hein, parce qu'on voit la couleur de la peau plus foncée chez Tsume. Là, ça fait plus peau. Et là, ça fait un peu plus foncé. Mais elles sont belles les deux, quoi. Moi, je suis fan de ces deux statues. On peut voir les... Derrière. Ah mais la différence de taille, c'est incroyable. Bon, après, c'est pas la même échelle, c'est clair, mais le phénix derrière, là, il a la gueule. Hein. C'est un monstre, ce truc. Ah mais moi, elle m'a impressionné. Hein. Ah, le phénix, là, la finition. Je pose la tête, là. On l'allume. Ah, j'ai débranché. Juste la brancher. Donc, bah, ça se branche là, regardez là. Je l'ai branché sur la PS5. Elle donne du jus. Elle a le... bah, c'est les câbles USB. Là. Ah, je vais pas focus. C'est USB-C. Ah, trop court. Attends. Tire un peu le truc là. Ça se branche là. Le bouton est gros bouton là. Tac. Et voilà. Et ça flash, on se croit en discothèque là. Mais c'est beau avec les pierres là. Avec les pierres. C'est pas mal, hein. Mais bon, après, il y a des années. Hein. La Tsume, ça fait 7 ans. Ça vient de sortir.
Moi, je trouve que Soumé, elle est magnifique. Pour que, franchement, pour 7 ans en arrière, 7-8 ans même, je crois. Sauf alors, j'ai pas de bêtises. C'est beau, quoi. Elle est belle aussi. Les deux sont c'est de super beau boulot, quoi. La peau, on voit. Les détails. Après, la tête... Oh, elle est bien. Moi, j'aime bien la tête énervée, là. Franchement, le... je trouve qu'elle va bien avec le reste de la statue. Et là, on voit les lumières qui sont vraiment au milieu du corps. Ça flash partout en bas. Les cailloux, là. Voilà, pour... je fais un plan comme ça. La taille du truc, je veux pas faire ça. Voilà, c'est beau. Deux super pièces, franchement, deux super pièces pour les fans de Senseiya. Franchement, faut la voir en vrai. Hein, cette nouvelle, faut vraiment la voir en vrai. Bah, comme là aussi, la Tsume, hein, faut la voir en vrai parce qu'elle est magnifique. Mais les deux sont belles. Mais celle-là, c'est ça. Franchement, c'est un monstre. Franchement, on ressent l'anime qui nous fonce dessus là. Ah ouais, là, il est fâché, il vient, il nous fonce dessus, là. Ouais. Et il y a des vidéos qui arrivent, là, parce que j'ai encore deux filles, j'ai reçu deux filles, là. Bah, j'ai reçu trois en même temps, en fait, celle-là et deux autres. Alors, je vais vous faire un unboxing de tout ça. Et voilà, bah, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et moi, je vous dis à tout bientôt.